Bonjour et bienvenue. Oh. Ah. Ok, donc bienvenue dans l'enfer de la tempête, dans le noir et dans l'ombre, tout ce qui compte quoi. Alors, nous sommes donc à l'autoroute côtière. J'aime pas discuter quand il y a du bruit comme ça. Nous sommes arrivés à l'autoroute côtière, on a croisé pas mal de choses assez méchantes. Et on est à peu près là, en gros. Et nous, on veut aller à la station Quantset, qui est une station de... un garage, quoi, en gros. Et c'est là où on va camper pendant un moment. Donc on a aussi des îles, les deux îlots à faire, avec des maisons... on a énormément de choses à visiter, ok. C'est vraiment l'endroit où on peut trouver le plus d'objets possible, donc ça serait vraiment vraiment cool pour nous. Sinon on a beaucoup de choses, on a trouvé genre des balles de revolver, tout ça, donc ça c'est bien, on est pas mal de ce côté là. On a trouvé un autre jerrycan. Après on n'a pas vraiment de nourriture, donc c'est un problème, donc il nous reste 1200 calories à peu près. On a ça de côté, de la viande d'ours, je préfère ne pas la manger si c'est possible. Après on a encore quelques massettes, donc on va pouvoir tenir. Mais voilà, ça devrait plus ou moins bien se passer. À la limite, j'ai même envie de dire qu'on devrait peut-être aller chasser, je dirais, peut-être. Et faire à manger. Je pense que ce serait le plus intéressant à faire et le plus safe en fait. Parce que sinon on va être un peu embêté par... on va être embêté par la nourriture. Mais en tout cas on est un peu bloqué, il y a une tempête à l'extérieur, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On sort et on essaye d'avancer. C'est pas le plus malin, j'ai envie de dire. C'est vraiment pas le plus malin. Ouais. Je sais pas quoi faire. Je sais pas vraiment quoi faire. Parce que du coup c'est le problème des calories. Hein. Si on avait genre 50 steaks sur nous, ouais, on va sortir, on va voir un peu comment ça se passe. Si on avait genre 50 steaks et tout, bon, on risquerait rien, on peut tout simplement rester là pendant un petit moment, mais on n'a pas. Ah ouais, c'est la bonne tempête en plus. Hein. Ah ouais, non, c'est vraiment la bonne tempête. Après, on pourrait courir et aller sur le îlot, comme j'ai dit. Genre, nous, on est à peu près là. Et il faudrait courir jusque là-bas. Est-ce qu'on aurait froid sur le chemin? Ouais. Oui. mais du coup, on avancerait. Ça serait bien. Aïe, aïe. Je crois qu'on va partir. Je crois qu'on va avancer. Je crois qu'on va avancer. Ouais. Ouais. Ouais, on est déjà tombé à 1085, c'est embêtant. Ça va vite, ça va vite. Bon, allez, on y va. Bon, après, honnêtement, c'est vraiment pas conseillé, comme d'habitude, hein, de se balader avec une tempête pareille. Mais c'est pas très dur pour se déplacer. Hop. C'est pas très compliqué, il suffit juste de suivre ça. Normalement, il devrait pas avoir grand monde non plus, avec une tempête pareille. Seuls les cinglés sortent. Seuls
les malades, les cinglés, et ceux qui veulent mourir sortent. Faut essayer de repérer les arbres. Oui, non mais chut. N'a pas le temps. Ok. Ok, on devrait y être. Là, il y a le bateau. Ok, ça monte. On est bon. Et la maison, elle devrait... on continue à monter. Faut aller au plus haut. Allez là. Juste devant. Voilà. Pouh, la vache. C'est bon. Tout va bien. On est... Pour le moment, tout va bien. Le plus dur, c'est pas la chute. Haha. Alors, bienvenue, ça va, il fait chaud, il fait combien exactement? 21, ça va, on ressent 21 à l'intérieur, donc là c'est l'été, hein. Là on est en plein été. Hein. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il nous faudrait? Je dirais déjà pour les vêtements, il nous faudrait des chaussettes plus chaudes, des choses comme ça peut-être. Et après ça serait bien, c'est du café, du thé. Après bien sûr de la nourriture, mais bon... Ok. J'allais dire la nourriture, mais elle risque d'être en mauvais état. Là on a trouvé 600 calories qui est en bon état. Bon bah ok. Bah pourquoi pas plus, j'en voudrais bien un peu plus, s'il vous plaît. Ça va, et bien sûr la tempête s'arrête juste maintenant, c'est cool. Ça va nous permettre de tenir un petit moment. Bon, bah ça va, c'est cool. J'entends de l'eau qui ruisselle, non? J'ai jamais fait attention à ça. Ça a toujours été comme ça? Genre d'entendre la... De l'eau qui goûte comme ça dans les salles de bain? Ah, ok. Ok. Aussi, vu qu'il y a beaucoup de maisons, beaucoup de rideaux, donc on peut passer énormément de temps à récupérer beaucoup de tissus. Et en faire un gros amas en fait à notre camp. Je pense que c'est une très très bonne idée aussi. On va dire que pour nous il y a peu d'endroits où on peut amasser énormément de tissus. Donc si on peut le faire, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Oui du coup faut faire attention. Faire attention à notre réserve d'eau. On va juste prendre 1 litre. On peut la boire aussi directement. Voilà. Très bien. Du coup, il y a
Puis il n'y a rien d'autre. On a fait le tour là? Ouais, non, il n'y a pas de cheminée, rien ici. Non, dans celle-là, non. Je crois la prochaine, oui. Mais là, non. Donc, ouais, on peut prendre un peu de tissu, un peu plus. On va pas tout prendre parce que ça va prendre du temps, en fait. Et comme j'ai dit, on a pas trop de calories. Ce qu'on peut faire, à la limite, c'est manger directement notre 600. Ça va un peu nous assoiffer, mais on a beaucoup d'eau, ça va. Voilà, comme ça, on est un peu... On est bon pendant un petit moment. Ah, très bien. Est-ce qu'on a très soif ou pas? Non, ça va. On pourrait... Non, elle est chaude. Ça va, elle s'est réchauffée, c'est ça que... C'est ce que je voulais dire. Non, par contre, on voit rien. On voit pas grand chose. Oh la vache! Calme-toi. Putain, le truc, il était, il devait être juste dans l'arbre, quoi. La chouette, ou j'en sais rien. Non, non, non. Alors, un truc aussi qu'on peut faire, c'est regarder le bord... Oh! Allez, cours! Ouais, bon, bah c'est pas grave, c'est juste un bout de bois, hein. On va pas tenter. Mais le bord de l'eau... Oh putain, y'a quoi, là? C'est ça, oui. Le bord de l'eau amène énormément d'objets, c'est un peu aléatoire. C'est un peu aléatoire, on a des morceaux de bois, on a des fois des poissons, des gros poissons. Donc c'est vraiment pas mal en fait de regarder le bord, mais c'est dangereux. C'est dangereux. J'entendais un bruit sur la droite. Non, ça va. Donc on va aller droit devant. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ok. Non, 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 non. Vu la qualité, on verra ça. Alors vous avez vu, on a un problème, on commence à être quand même très lourd. Je crois qu'on dépasse les 40 kilos. Et là du coup ça commence à être un problème pour se déplacer. On va ranger le... On va ranger la lampe. Ok, silence radio. On écoute.
Ok. Parce qu'on sait jamais. Des fois, il y a des loups. Parce qu'en fait, il y a des lapins. C'est des îlots à lièvres et tout ça. Donc, des fois, il y a les loups qui viennent, qui finissent par monter et qui restent un peu, on va dire, sur le. Sur la petite île. Et. Bah, oui, c'est un problème, quoi. C'est un problème, c'est dangereux, du coup, pour nous. Donc, on fait attention. Ouh. Ouais, non, là, j'ai beaucoup. En plus, on est un peu humide. On est à 45 kilos. Ok, d'accord, super. On est à 45 kilos. Et le problème, c'est que pour le moment, on peut pas vraiment se vider, j'ai envie de dire. Arrête de parler, je suis en train de parler. On peut pas vraiment se vider. Mais par contre, on est proche de la station. Du garage. Donc, bon. On peut continuer à y aller. Je crois qu'on va quand même dormir un peu. Essayer de récupérer un peu de vie. Et après, on va aller directement à la station. Et là, on pourra se vider. Parce que... Ouais, non, là, on a trop d'objets. Ça devient un peu un problème, en fait. Donc, on va devoir faire attention à ça. Allez. Donne-moi un truc bon. Faudra qu'on regarde tous les pourcentages de... des petits paquets qu'on a trouvés de nourriture. Et après, on ira se vider à la planque. On a tout fait. Ok. Ça va, on est bien, on est bien. On va monter à l'étage. Même le déplacement sans courir est bien, bien lourd. Hein. Bien, bien lourd. En laine. Ouh. Eh, on a un peu de chance, ça va. On a un peu de chance. Oup, non, pas ça. On va dire qu'on va pouvoir se mettre à la station. Et après, peut-être qu'on va essayer de chasser autour. Mais le problème, c'est que chasser autour... la plupart du temps, il y a des loups. Donc, je sais pas trop, en fait, comment on va chasser. Ce qu'on va chasser, surtout. On verra. On va voir. Ok. Pourquoi je me suis accroupi, je sais pas. Là, on a du bœuf séché moisi. Je pense qu'on devrait être bon à boire ça. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Ok, ok. Ça va, ça va. Ça donne soif, hein, tous ces aliments, donc c'est un peu embêtant. Là, on a 0,75 aussi. On va prendre un peu d'eau. Très bien. Ah oui, j'avais dit qu'on allait dormir un peu. J'avais dit qu'on allait dormir un tout petit peu. Ok, très bien. On va ravitailler la lampe. Et là. Ravitailler. Ah, ça se passe bien. Ça se passe bien. On arrive à faire... okay, on a un jerrycan qui est complètement vide, du coup on le prendra avec nous et on se baladera et on le remplira en fait au fur et à mesure qu'on trouve des petits récipients comme ça. Ah oui, celui-là aussi on va le garder de côté. On va absolument le garder de côté parce que ça sera notre... Genre quand on veut pas prendre le gros jerrycan, on prendra le petit. On prendra la petite bouteille. On fera comme ça. On va dormir... Cinq heures.
On est en pleine forme, on a récupéré un peu de vie, on est bon, on y va. On y va. On n'a pas de moyen de baisser notre poids. On est à 45 kilos. Ça, c'est lourd. On a beaucoup de choses lourdes. Ah, par contre, les chaussettes. Oh non, les chaussettes, de toute façon. Chaussettes en laine. Correct et usé. Ça, là, elles sont un peu mieux. Après, tout le reste, on les déposera. Ouais, on a beaucoup de choses. Ouais, il faut absolument. Bon, maintenant, là, on sort. On sort et on va à la station. Faut vraiment pas qu'on se loupe. Faut vraiment pas qu'on se loupe. Faut pas qu'on ait d'accro, rien. Parce qu'on va pas pouvoir vraiment courir. Faut... Oh la vache, arrêtez de faire ça. On voit strictement rien, ce plaisir. Bon, je peux même pas sprinter. Doucement, doucement, doucement. Oh la vache. C'est quoi ce bruit? Ok, là-bas on a une cabane, enfin de pêche. On va y aller. Après on n'est pas extrêmement loin. Mais honnêtement c'est vraiment pas conseillé ce que je fais. Parce que là on peut pas sprinter rien, si jamais on se fait attaquer. On est dans la merde. Je crois voir un truc qui bouge à ma gauche. Ouais, il y a des loups. Là-bas, je crois avoir vu un loup. Oh, il y a plein de bois à prendre. Ah là, ça devient absurde, là, en fait. Là, ça devient un tout petit peu absurde. Ouais. Il nous a vus. Je crois qu'il y en a un là-bas en face de moi, deux, trois derrière moi. Nous, on doit aller vers là-bas, les arbres. On nous fait là, un, deux, trois, ça va, il gagne pas trop de terrain. On peut pas sprinter, hein, rien, donc faut pas qu'on s'accroche. Genre, faut pas qu'on tombe sur un petit caillou qui va nous bloquer. Sinon ça va être la merde. Faut pas qu'on vise, sinon ça va l'exciter, il va nous foncer dessus. Ce qu'on peut faire, c'est tirer. Parce qu'on a un revolver, c'est pour ça que le revolver est quand même vraiment intéressant. On peut tout simplement juste tirer et ça va lui faire peur. Donc si jamais il approche trop, je tirerai une balle dans le... Enfin, vers sa direction, mais... Sans vouloir le toucher. Mais il va falloir qu'on aille sur la gauche. Hein. Parce que la station est pas là, la station elle est sur la gauche, là-bas. Donc... là, je veux juste éviter en fait les loups qui sont sur la glace.
J'ai envie de tirer une balle. Vous voyez là, je voudrais bien pouvoir genre balancer mon sac et tout simplement genre courir. Parce que là, il faudra aller dans l'inventaire. Genre placer les objets par les plus lourds pour aller plus vite, faire jeter, jeter, jeter. Et qu'on puisse au moins... Oh là 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 là. Qu'on puisse au moins courir. Il est toujours là, hein. Toujours là. Il y en a un là, on le voit, là on le distingue. Je sais pas si vous le voyez, dites-le moi si vous les voyez comme ça là. Genre là, en plein devant, au centre, on le voit. Ouais. Et on a un autre à côté. Puis on perd beaucoup de vie. Bon après la vie c'est pas grave, vu qu'on va rester un moment ici, on va... Ah ça y est, il nous a lâché. Ça y est, il nous a lâché. Vu qu'on va rester un moment ici, on va dire faire le tour du périmètre et revenir dormir au chaud et tout ça. Donc notre vie, on va la reprendre petit à petit. Mais c'est toujours un problème, quoi. On y est presque. On y est presque. À la limite, on peut peut-être se mettre à un bâtiment avant d'aller à la station. Pour se réchauffer, histoire de se réchauffer. On va pas le fouiller le bâtiment. Je crois qu'il y a des maisons sur la sur le côté droit. Donc on ira là, on va se réchauffer. Et après on retournera à la... Enfin après on continuera vers la station. Et là on se videra les poches. Parce que ouais non, c'est un problème. C'est un problème. On va commencer à bifurquer un peu sur la droite. Pour pouvoir voir les bâtiments. Faire attention qu'il n'y ait personne. Là-bas, il y a un bâtiment brûlé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge ? Je pense que pour le moment, je vais rien dire. Les bâtiments brûlés, super, brûlés, super. Brûlés là-bas aussi, super. Brûlés. Ah ben ouais, bien joué. Ah, peut-être là-bas au fond, j'arrive pas à distinguer. On a énormément de bâtiments brûlés. Quasiment tous, c'est bon, on y est. Quasiment tous les bâtiments du périmètre sont brûlés. Ils sont détruits. C'est fun. C'est vraiment fun. Oh, on est au garage. Ça y est. Voilà. Ouh. Bienvenue chez nous. Eh, risque d'hypothermie, on était... J'allais dire on était chaud. On était plutôt froid, ouais. Alors ce que je voulais dire, c'est que de ce qu'on a remarqué, les loups étaient surtout vers la glace. Vers l'eau, donc ça va, on a eu un peu de chance par rapport à ça.
Du coup, on a croisé personne ici, donc ça va. Pour le moment, je vais juste mettre les objets par terre et je vais décorer après, comme d'habitude, pour le prochain épisode. Donc ouais, je vais juste mettre ça là pour le moment, et après je montrerai comme d'habitude. Je pense que c'est plutôt sympa. Des gens qui ont commenté par rapport à ça en disant que c'était plutôt sympathique, joli à regarder à chaque fois quand je mettais les choses. Ça rendait, on va dire que ça rendait le jeu plus vivant. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Par contre, le tissu, tout ça, on va le mettre là. Tout prendre et on va en garder 5. Normalement, j'en prendrais 10, mais là, de toute façon, on va se balader et tout. On va récupérer du tissu. On va mettre ça aussi. Ouais. Bon, on est déjà un peu mieux. Alors on va jeter ces bouteilles d'eau. On a très bien. Jeter. C'est le fil. Pareil. Jeter. On va les garder de côté. Alors les 1 litre, comme j'ai dit, on va pas les prendre parce que c'est celle qu'on avait avant de rajouter le mode. Donc ce sera un peu facile en fait de garder ces bouteilles là. Donc on va prendre que les bouteilles en métal qu'on trouve ou alors juste utiliser la water skin. Enfin, on va utiliser les deux, c'est ça que je veux dire. On va utiliser la water skin et les bouteilles en métal qu'on a trouvées. Je pense qu'on est bon. On est combien en poids? 30 kg. Ben, c'est bon, allez, on peut commencer à fouiller. Par contre, on voit pas tout. Non. Oh. On a bien fait. C'est combien de balles? On en avait une sur nous déjà. 4 balles de plus, c'est cool. Ah, dans cette région aussi, on... Alors, je vais pas dire que... Oh non, si, quand même. On a une chance. Une chance honnête, on va dire. De pouvoir trouver des armes. Genre peut-être un nouveau fusil. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça, c'est bien. Ah oui, on a 2 paires de bottes. Va falloir qu'on les détruise. Qu'on les détruise. Ah, on a. Je crois qu'on n'a jamais eu de. D'ouvre-boîte. Donc ça, c'est bien. Oh! Très bien. Vous voyez que même avoir la lumière allumée, c'est peut-être pas suffisant des fois. Hein. Après, là, j'en profite un peu honnêtement parce qu'on a beaucoup de kérosène. Et encore, enfin, je dis beaucoup. Vous voyez que déjà, on est à moins de 4 litres. Hein. On a déjà descendu. Hein. Donc ça va vite. On va même éteindre la lampe. Ça va vite, ça va vite. Ça, c'est un backer. Y a rien sous les étagères. Non. Enfin, pas les étagères, les armoires. On a une scie, très bien. Tiens, on trouve pas grand chose. Oh, il y a une balle. This stuff will come in handy. Très bien. On peut voir la scie. Nous, on a quoi? 95. 76. On va poser celle qui est abîmée. Oui, celle-là. Non, enfin, on va poser celle qui est le plus de pourcentage. Comme ça, on utilise celle qui est abîmée. C'est ce que je voulais dire. On a un problème de nourriture, il faut qu'on boive aussi.
Ça, je sais pas trop quoi faire encore. Est-ce qu'on boit? Est-ce qu'on mange? Je sais rien du tout. On va prendre ça, c'est en bon état. Ouais, on va en boire un. Très bien. On va boire. Et on est bon. On va pouvoir tenir un tout petit peu. Oh, il y a une caisse là-bas. Très bien, on va pouvoir réparer notre lampe et tout ça. Ah, on peut détruire. Il nous faut quoi? Un couteau de chasse. On peut détruire les pneus. Ça, c'est bien. La boîte, ça va être combien de temps? 1h30. Ouais, non, on n'a pas 1h30 à gaspiller. On le fera parce que on peut le faire à la main et ça donne quand même pas mal de bois. Oh, on peut détruire tous les pneus. Je me demande ce que ça nous donne. Peut-être un morceau de métal vu qu'il y a la jante. On va voir. Mais il nous faut un couteau. Alors, Sésame. Sésame, ouvre-toi et donne-nous des objets. Des objets comestibles, s'il vous plaît. Ça, c'est bien. Oh, là-bas, il y a un beef jerky. Ouais. Bon, c'est pas la folie, mais... ça va. C'est pas la folie, hein, quand même. Mais on va se débrouiller avec ce qu'on a. C'est quoi? C'est 3 litres le maximum? Ouais. Donc il nous manque quoi? 0,37? Ah bah tiens, il y a quasiment rien. Bah du coup on va se remplir. Très bien. Très 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 bien. Donc c'est quoi? C'est le feu, la cuisine. La cuisine. Ça peut être intéressant de lire, j'avoue. On est à 4 en cuisine. Je vais être honnête, ça serait pas mal de forcer la cuisine jusqu'au niveau 5. Peut-être, enfin, on va dire, commencer un peu à la forcer. C'est-à-dire qu'on pourrait, vu qu'on a un revolver qui est quand même en bon état, et il y a beaucoup de loups autour, je dirais de peut-être camper ici pendant un moment, tuer les loups. Cuire tout ça, et après on arrive au niveau 5. Et une fois qu'on est au niveau 5, on n'a plus besoin de faire grand chose en fait pour manger. Je pense que ça serait une solution assez solide de faire ça. Je vais être honnête. Je pense que ça serait potentiellement la chose la plus responsable à faire. Je vais être honnête. Ça, on n'en a plus besoin. 33. Ouais, j'ai envie de dire que... Après, est-ce qu'on peut un peu le... Ça va nous prendre un moment avant de le faire. Ça va... On va jeter ça. On va dire que ça va nous prendre un petit moment. Parce qu'il va falloir récupérer du bois. Il va falloir... tuer les loups, bon c'est dangereux, ça fait une aventure. Hein. Tuer les loups, les découper, les cuire, ça va nous prendre un petit moment. J'ai peur que ça soit un peu... J'ai envie de dire chiant. Mais je pense que c'est une bonne chose à faire, honnêtement. Je pense que ça serait une des meilleures choses à faire.
Ok, très bien. J'ai pas envie de... de gaspiller un peu plus que ça, on va dormir. Ah, parce qu'on gaspille un peu des calories à rester éveillé comme ça. Oh non! Ah là... Ah, attendez, on peut aller où? On pourrait aller aux bâtiments qui sont pile devant. Ouais, on va faire ça. Parce qu'on a vu, il y avait plein de bâtiments qui étaient brûlés derrière, donc ça sert un peu à rien. Et là, on n'a pas vraiment le temps. On fera les voitures plus tard aussi. Il y avait des boîtes aux lettres et tout ça. J'ai cru que c'était des lois à un moment. Mon cœur, il a fait un tour sur lui-même, quoi. Oh la vache. Ça va. Après, en nourriture, on va dire que je... je suis pas en mode panique, mais je dis qu'on en a besoin, mais c'est pour appréhender un peu. Mais on peut encore tenir un petit moment. Hein. On peut encore tenir un petit moment. Ah, et comme j'ai dit, après, on est en début de partie et on essaye de toujours rester à plus de zéro en fait, de calories pour éviter de perdre le buff. Mais si jamais on veut, on peut tout simplement aussi se laisser, laisser s'affamer et dormir et juste manger avant de dormir. Mais bon, après, c'est vrai que nous, on a un problème, c'est pour dormir, elle se fatigue très peu. Elle se fatigue très très peu. Oh. Donc c'est dangereux ça de mettre sur les robots. Donc on va quand même avoir un problème si on commence à faire ça. Donc faut vraiment qu'on mange. Très très bien. C'est embêtant le coup du... de la tempête là. Ah, un truc qu'on aurait dû faire c'est... ouais non, on n'a pas plus de récipients. On est plein. Tous nos récipients sont pleins. Donc ça servira à rien. Ça sert à quelque chose d'attendre un peu plus, pas vraiment. Ah, j'aurais dû poser ça, c'est pas grave. On va se baisser, on va sortir notre revolver, juste au cas où. Après, où est-ce qu'on pourrait aller? Là, il y a un bâtiment. Après, il y a les voitures. Oh mon dieu, on voit rien. Là-bas, je vais voir si les bâtiments sont détruits aussi, mais normalement, je pense que oui. Ok. Là aussi, j'imagine. Oh. Ok, bien. Je crois que c'est le seul bâtiment dans le périmètre. Qui est encore intact. Après, faut faire gaffe, faut pas trop perdre de vie, hein. Comme d'habitude, je l'ai déjà expliqué. C'est juste qu'on a du mal à se remettre de la vie.
Enfin, vu qu'on a du mal à dormir, c'est un peu comme moi en fait, en vrai. On a beaucoup de mal à dormir. Ok. Ah, depuis qu'ils ont rajouté les chips, hein, je veux pas dire, mais... c'est un peu plus simple. Hein. On trouve souvent des chips. Je vais être honnête, on trouve souvent des chips. Oh, c'est pas un fait-tout, là. Ah non. J'étais content pendant une minute. Vous avez vu que le fait d'utiliser la lampe, en fait, souvent... on a fait déjà un plein complet, et là, on est presque à 50% de celui-là. Ça va vite, hein, le fuel. Hein. Ça part très très vite. Hein. Ça part extrêmement vite. De la nourriture pour chien. J'ai toujours eu des très très mauvaises expériences avec la nourriture pour chien. Dans le jeu, je parle. Hein, c'est pas, hein, je mange pas ça en vrai. Hein. Mais j'ai quasiment toujours été malade. Encore une fois, dans le jeu. Hein, je préviens. Oh, magique, oui. Donc on va voir les pourcentages, mais... Je sens que ça va être bas. Et après, je crois qu'on va retourner à la station. Et je pense qu'on va s'arrêter là, honnêtement. Ah, une chose qu'il pourrait rajouter aussi, je viens juste de penser à ça, c'est le confort. Genre, dormir dans un lit d'une maison, ça rajouterait du confort. Et peut-être que ça mettrait une sorte de buff, genre buff confort, et puis vous sentez mieux, vous utilisez moins de calories, des trucs comme ça, au lieu de dormir dans un sac de couchage. Donc du coup, ça vous pousserait un peu à vouloir dormir, en fait. Alors ça, on va pas le manger. Ça vous poussera un peu à dormir dans des bâtiments, d'aller trouver des bâtiments au lieu de dormir dans des grottes, vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être intéressant, en fait, un système comme ça, je trouve. Donc du coup, on a deux tisanes, ça c'est bien. Tout le reste, c'est vraiment des pourcentages un peu bas, quoi. Ça. Voilà. Voilà, là on s'est un peu retapé. J'ai pas vu combien il nous faut. Non, on va pas reprendre parce que sinon on va gaspiller. Sinon on va gaspiller. On part. Ouais, je pense qu'on va tout simplement retourner à la station et juste partir. Alors, je voudrais bien explorer un peu plus, hein, mais le problème, c'est la tempête. C'est tout simplement la tempête qui fait un peu chier. Et j'ai pas envie de perdre du temps parce qu'on n'a pas trop de nourriture, encore une fois, comme j'ai expliqué. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller, là? On sort, on va où? Non, les bâtiments sont tous abîmés. Il y a des voitures, mais faire ça dans le... Faire ça dans la tempête, c'est relou. Oh, la vache. Pas mal. Je crois qu'il n'y a rien derrière. Ouais.
fait froid. Oh. Ok. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Elle est où la ah, elle est là, ok. Je commençais un peu à flipper, un tout petit peu. Parce que j'avais, je voyais plus la station en fait. On va en profiter pour faire tous les véhicules. Comme ça, ça sera fait. Même si honnêtement c'est con parce qu'il fait froid, mais bon. Au moins c'est fait parce que sinon je vais oublier. Donc autant le faire. Je pense qu'il n'y a plus rien derrière non plus. Ouais non c'est bon. Bon bah voilà. On va faire ça. Je pense que niveau trouvaille, ça va, ça se passe bien. Hein, ça se passe bien. Encore un truc. Ça, la couture, ça c'est bien. La pêche à la limite. On en fera aussi le. On verra quel livre on prend. Je pense qu'on va... Ah non, non, c'est cuisine. C'est cuisine. J'ai envie de dire, peut-être qu'on pourrait... lire pendant 5 heures. Je sais pas ce qui est le mieux. C'est lire un livre de 5 heures ou alors aller chasser et cuire la viande directement. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ce qu'on peut faire, c'est lire pendant qu'on attend que ça cuise. Ça, je crois que c'est un peu le plus intéressant, en fait. Donc je pense qu'on va faire ça. Mais ouais, je pense que la prochaine fois on va faire le tour et on va un peu chasser du loup, je vais être honnête. On va faire un peu de chasse. De la chasse au revolver. Pas la meilleure des choses, mais... mais bon. Niveau eau, on se porte comment? On a ça, ça. On va la remplir celle-là. Voilà, donc là, elles sont toutes pleines. Ouais, donc on a 3 fois 0,75, on a 2 fois 1 litre, c'est bien 1 litre, ouais. On a 2 fois 1 litre, donc ça c'est bien, ça c'est notre réserve d'eau. Là, on a de... Ah, on a de l'eau potable. On a de l'eau potable, ça c'est cool. Ouais. Donc on a ça, et après on a notre water skin... qui est presque à 3 litres aussi. Donc ça c'est bien. On va manger ça. Voilà, ça nous fait durer un petit moment. Est-ce qu'on prend une tisane qui nous donne du coup des calories et un peu de... Combien on en a? On en a 1. Et là on a 4. À la limite on peut faire ça. Ouais, ça nous donnera un peu d'eau et des calories en plus, ça va nous aider. Voilà, très bien. On a récupéré encore un peu de bois, c'est bien. Non, ça va, ça se passe ok. Hein. Je vais pas dire que ça se passe bien, faut pas exagérer non plus, mais ça se passe ok. Donc, on va pouvoir se débrouiller avec ce qu'on a. On va jeter ça. Le charbon... charbon, on va le mettre là. Les pierres aussi. On est bon.
Mais bon, on va dormir. On a perdu quand même pas mal de vie, hein, je vais être honnête. On a quand même perdu un bon paquet de vie. Donc on va se débrouiller comme ça. Donc on va dormir le plus possible. Donc là ça va être quoi, 2 heures à peu près. Moi ce que je vais faire après, une fois que je me serai réveillé, je mettrai un peu de l'ordre dans le ici. Enfin quoique honnêtement on n'a pas grand chose. C'est pas énormément non plus. On peut laisser tout ça au sol. C'est pas, ça gêne personne vraiment. Mais ouais, moi j'aime bien, vu qu'on a des étagères et tout ça, on va mettre ça sur des étagères. Mais après, ouais, après on va faire le tour et comme j'ai dit, on va essayer d'aller chasser du loup. Si le temps s'améliore, donc attendez, nous on est à peu près ici, à l'autoroute côtière. Donc si le temps s'améliore, il y a beaucoup de loups, on ira les chasser. On essaiera de les faire venir en fait vers la station pour qu'on puisse les découper facilement. Après on a un peu de bois de côté, donc bon, on pourra faire du feu à l'extérieur, ça devrait passer. On les découpe et on les mange. Enfin on les cuit. Et après comme ça, ça nous fera une source de nourriture en fait assez grande. Et on n'aura pas le risque de tomber malade. Ça il faudrait que je le pose dehors, mais bon, on va le garder pour le moment. Je pense que ouais, c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure, vraiment la meilleure des choses, donc on essaiera de faire ça la prochaine fois. En tout cas, merci d'avoir regardé, portez-vous bien, faites attention à vous, et à la prochaine, ciao ciao.